Et salut à tous, on se retrouve sur le mode Napoléonique Total War 3, donc qui vient du jeu Napoléon Total War. Alors aujourd'hui une petite vidéo fun simplement pour présenter un peu la 3.1, la nouvelle version, où donc on jouera les Français avec Éric le Rouge contre donc une armée de 3 voire 4 unités de bots. Allez, bonne vidéo à tous. Arrête! On appelle ça la grande armée. Ridicule en nombre. Mais ouais, la grande armée, donc. Elle Et avait là, mieux. on est. Alors, c'est simple, hein. Les ennemis sont juste là. Je l'ai fait exprès pour un truc, c'est qu'ils vont être obligés de nous foncer dessus. Attends, quoi? Ah, mais d'accord, ils sont sous notre nez. Ah, ils vont juste être juste, mais vraiment juste en face. Donc, le but est l'armée française est en déroute et on se remplit de. User joined your channel. Ouais. On se replie à Farmhouse, tu vois? Farmhouse. Juste là, à gauche. Attends, je vais mettre en grand. C'est la grosse étoile 1. Ouais, ok, je la vois. On se replie là. Ok? Donc il y a les maisons et tout, et on se replie là, et on doit tenir ce dernier petit bastion. D'accord, donc on se déploie là. Voilà, exactement. D'accord. D'accord, d'accord, ça va être drôle. Ça va être drôle. Tu vois Michel Nymph? Ils ont. Ah bah, lifeguard et tout le bordel, hein. Ça va déchirer. On va se faire défoncer la gueule. Bon, mais allons-y gaiement, Michael. Ça, c'est ce que j'appelle une grande batterie. Et ça, tu peux le dire. Bah, juste évite de la mettre droit devant la mienne, ce serait cool. D'essayer de les aligner. T'as un beau champ dégagé là où tu peux mettre ton artillerie, juste à droite de la mienne. Ah, c'est bon, je décale à droite. Où ça? Ah oui, ok, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il faudra un large front. Ouais. Attends, on a même pas un moindre. Alors, on joue contre les Prusses, les Anglais et les Russes. Tout à fait. Donc, évidemment, on donne la vieille garde dès le début. Mais oui. Par là, ma vigneur, je sais pas. Comment je pourrais vous mettre où? Donc, le but hein, est de tenir la ferme, on doit vraiment rester dedans. Ouais. Boudjou de salopio, j'ai envie de te poser à ma fiotte. Se prendre une branlée. C'est bien, ça changera d'habitude. Ouais, c'est sûr. Où est-ce que je peux vous mettre vous? Sans que je vais jamais arrêter de dire. J'ai pas envie de mettre mes Hollandais à droite de ma grande batterie, parce que je sens qu'ils vont se faire défoncer si je reste tout seul à droite. Je vais quand même les mettre en ligne derrière la grande batterie d'artillerie parce qu'il faut la protéger. Ils vont vraiment spawner juste en face de nos tronches en fait. Entre autres, ils vont être vraiment sur le bord, mais ils vont être en fait, c'est-à-dire qu'ils vont être obligés, ils vont nous voir donc ils vont avancer, tu vois. Ouais, forcément. Ouais, c'est parti. Oh, des Français! Attends, ouais, une seconde. Bon bah. Est-ce qu'on a le choix? Nope. Tu nous laissais dévorer par ces gens-là, Eric? Te crever. Ah! Mon dieu! Bon, mais les canons vont sur plaisir. Attention à la grande batterie! Ça va être fini. Faites feu sur ces pélos! Ça va être beau, attention! Faut volonté, faut volonté! Oh là, regarde, regarde, regarde! C'est toujours beau quand ça commence. Oh mon dieu, ce que j'aurais mis. Ouais, bah c'est magnifique. Oh,
tué. Je tue plus d'une dizaine d'hommes. Oh putain. Ils font même la gouiller le jeu, ces cons là. J'aime bien la vieille garde 14 en disant putain, chef. Chef, il y a trois nations en face. Oui, je sais. Don't worry yourself. Oh, c'est magnifique la grande batterie quand même. Ah bah c'est quelque chose. Faut tenir la fête. Tenez la ferme. Attends, tu leur mitrailles en unité aux Prussiens. Ah bah là ils sont tellement gros tas, moi je bombarde quoi. Tout ça va vite terminer au cac. Ah je le sens bien ouais. Bonne grosse mêlée. Tu recordes là? Oui. Ça arrive. Par contre t'as peut-être placé ta convention un tout petit peu trop en arrière, il y a une mini butte devant. Mais ça fait qu'il y a un boulet sur deux qui termine dedans, regarde. Exact. Ah, j'avais pas vu. Il y a une toute mini butte devant, c'est vraiment dommage. Oh, je balance les boulets aux Anglais là, je suis généreux. Bouffez ça les Lightfoot. Garde est à portée, attention, première salle. Voilà. C'est qui recule ces cons là? Je vais avancer ma grande batterie. J'ai vu. Je vais plus la décaler à droite pour avoir un meilleur rang. T'as les King German Legion Lightfoot qui tirent sur ta garde. Ne réplique pas. Parce que c'est le temps qui se tourne, là ils vont répliquer. Voilà, regarde. Aïe, ils perdent des gens, aïe. Ils vont tirer. Cette bataille résume assez bien le déroulement de la campagne de France, je trouve. C'est les Français à 1 contre 5. Vateur. Pas faux. Putain, ils sont bien empâtés là. Non, merci, ça fait plaisir là. Depuis tout à l'heure, la chrono, ils bombardent. À peu près une dizaine de morts par région. Ils veulent trop me flanquer quoi, je vais direct mettre la mitraille là. Oh que oui, ah bah oui là cette distance là. Intérêt à vite former quoi. Mitaine. Ce bordel. Ce bordel dans ton artie. Oh. C'est quand même bizarre que les Hollandais soient de la moyenne garde alors qu'ils ont l'uniforme de la vieille. Ouais, je sais pas. C'est honorifique. Non, mais je peux voir, historiquement c'était. Non, c'est beau, ça y est, ça commence à tirer.
sont en train de flanquer leur armée là. Ouais, ouais, ouais. T'es hollandais, fais donc quelque chose, y'a les Prussiens qui arrivent qui vont te déborder. Oh, faut que tes canons te mettent vite la mitraille, putain. Vas-y, anonyme-les. Ils vont se faire flanquer, ah putain, si ils vont chercher mes canons, j'aurai du. Non, ça va. Faut leur tirer dessus, putain. Ouais, tu vas prendre des bastos là, mais bon. Je pense que t'as suffisamment de garde. Un petit peu 300 hommes qui n'attendent que de tirer au canon, donc ça va. Tu peux essuyer la perte de 10. User joined your channel. Mais à côté de la batterie. En effet. Putain, les canons plus vite, y'a la mitraille de chargée. Ah non, ils ont froid. Ah non, ça va. Ah non, tu tires sur les canons. J'ai remanié. Au revoir. Là, c'est plus que de la mitraille maintenant. Hein. Non, je suis passé à la mitraille aussi chez moi sur les. Ils vont chercher ces combats. Par contre, à droite, je vais me faire déborder. Ouais. C'est les Hollandais qui tiennent, mais pour combien de temps? Balance-moi tes renforts en réserve là. Tes premiers régiments de chasseurs et tout. Essaie de les ramener parce qu'ils sont beaucoup à droite. Et j'ai besoin de renforts. Ils arrivent. Mais en marchant, on va pas déconner. Oh, les premiers chasseurs qui tirent leur première cartouche. Aïe! Feu! Vite! Ça y est. Allez! Allez! Ouais, gros shit. Putain, ramène tes fesses, Eric, à droite, je suis débordé. J'arrive en marchant. Putain, regarde les links quand elles se prennent la mitraille. Non, bah, mais elles ont notre gueule. Oh, t'es une mitraille. Oh, ce qu'ils se prennent. Et eux, ça arrive péniblement au cac. Oh merde, j'ai les Gordon chez moi. Oh! Putain, j'ai un pâté de russe qui va se prendre de la mitraille. Ah bah c'est fait. Ouf, ah, c'est grenade de Polsk. Oh la vache, la mitraille, Eric. Grenade de Polsk, ça veut rien dire. Polsk, ça veut dire régime. Mais non, pas le boss qui est là, vache. Ah, pas le boss. Pas de Polsk. Oui. C'était pas joué. C'est nous qui faisions les grenadiers de régiment. Voilà, c'est ça. Un faux régiment en fait. Voilà, les Anglais à gauche ils passent pas. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais. Ah oui, non, c'est le chat. 33 RD, au revoir. Hein. 33 RD, tout ça. C'est pas les 33 RD en fait. Ah si, attends. Ah non, 88 TH, autant pour moi. Ouais. Les Connaught Rangers. Ouais. Ah, à droite, y'avait User 33. Joined your channel. Ah, gauche, y'avait 33. Ah, chez moi, j'ai des coffres de Gordon. La mitraille est à bout portant là, Eric. Ouais. Fais-moi de la K, bordel, que je puisse poursuivre les fuyards. Fuck. Ah non, la cave y'en a plus. Là, on fait un after Waterloo.
C'est armé de Grouchy, c'est tout ce qui reste. Exactement ça. Par contre, je vais dire au deuxième de baquet là, parce que sinon. J'avais commencé à engager la grosse mêlée, mais. Non, c'est pas le bon moment. Non, c'est pas le bon moment, non. Pas du tout. Putain, à droite là, je me fais prendre, mais pff, horrible. Ouais. Ah, bien fait. Ah, les Hollandais, ils ont pas le bon rôle. Ah, regarde le pâté devant mes canons, quoi. Là, je sens le pâté de cadavre aussi. Bon, mais j'ai ma garde juste derrière. Ils veulent absolument engager mon deuxième grenadier, regarde. Ouais, ils envoient la stèle. Putain, ils vont se tourner. Allez. Ah, c'est les Scott Guard. Ah, ils veulent m'engager au cac, ton chien. Je vais bouffer une salve. J'ai dit, ils veulent m'engager au cac. Mais eux aussi, ils bouffent une salve, regarde. Ouais, ça va être une salve commune, ça peut être beau à voir. J'avoue, à bout portant comme ça. Ah, ça va, tant mieux. Parce que le deuxième a le temps de tirer. Non, pas pareil. Tiens, j'ai les Highlanders qui font sur mes chasseurs. Non, arrêtez. J'aurais mes grenadiers. La garde. Vous avez mis le temps, Grouchy, vous avez mis le temps. En effet. Ouais, si c'est censé se passer après Waterloo, comment ça se fait qu'on a encore de la garde? Parce que c'est la moitié de la garde qui avait baqué, elle s'est reformée avec Grouchy. Normal. Ah, pourquoi on est Grouchy, putain? Toujours les plumes, nous, eh oui. Ouais, mais dans ce que je te rappelle qu'il y a quand même de la garde qui s'est barrée, hein. Eh bah oui, je sais pas. Quand ils disent All Guard has broken, voilà, c'est pas que. C'est pas qu'il y en a plus, hein, tant qu'ils sont morts jusqu'au dernier. Oh, t'es putain, mais Hollandais, ils sont mal, hein. Non, ils gèrent. En fait, ils sont mal. Pourtant, ils gèrent. Chef, on a perdu beaucoup d'hommes, chef. Wesh. Il y a Grouchy qui arrive. Ah bah non, c'est nous. Avec les Highlanders et les Scott Guard. Ah, ouais. Il y a Grouchy qui va venir, mais non, c'est nous en fait. Où est Grouchy, White? J'imagine bien, Grouchy va rentrer à Paris, putain, il va croiser Napoléon. Bah ferme, t'étais où, on a perdu? Bah non, je viens de battre 3 nations. Comment ça, je viens de battre 3 nations? Oui, il y avait des Russes et tout. Oui. Oh putain, voilà, mon empereur, vous avez perdu contre 2 nations, vous êtes nul. Vous avez tenu une ferme? Oui. Ah bon? Bah, on a gagné, y'a plus de guerre, on a gagné, c'est avec toi. Ah bon, je démissionne plus? Bah non. Ouais, c'est bien français ça. Tenez la ferme, c'est tout ce qui nous reste. Ils renvoient des vagues, les cochons. Putain, regarde ça, quoi. Oh la vache. Par contre, à gauche, on va commencer à se faire déborder pour ma part. Non, bon, je sais pas, mais si ça m'accroche, ok. À gauche. À gauche. User disconnected from your channel. C'est rien, ça. Quand tu vois qu'on tient le triple sur la droite. Oui, c'est pas. Ben, je tiens le triple sur la droite vu que tes renforts ne viendront jamais. Oh oui. Oh oui, la mitraille à bout portant, Eric. Oh, joli. C'est juste derrière toi, mais enfin, user joined your channel. Ils ont pris, t'as vu? Non, bah oui. Sur le dernier. Tes Hollandais commencent vraiment à chier. Par contre, je vais envoyer ma garde sur tes Hollandais. Le problème, c'est que les Hollandais vont être accrochés, quoi. Ah, ça y est. Ah, ils tirent à bout portant. Oh oui! Ah oui, ça fait baquer les. Reculez-vous! Bonjour! Nous charger. Vite, vite, tirez! Tirez! Y'a Wellington, tirez lui dessous, canon! C'est Wellington avec un boulet. C'était bon. Allez, snipe Wellington, bordel de merde. C'est bon que les Prussiens, c'est pas des. Ils sont où les Prussiens? On les voit pas beaucoup, les Prussiens timides. Ils sont en arrière-garde. Ouais, je vois ça, il est chitu, ça. Comme attenu, Prussien de merde. En fait, Bucher, il a baqué, il est parti chercher les renforts.
Bon. J'avais dit. J'adore la petite image. Tu vois en fait un gros carré et t'as juste Wellington allongé au milieu de la plaine. Je t'avais dit que je snapais au canon. Je l'ai massacré. Bien fait, rien. Il est où Wellington, Grouchy? Ah oh, bah je l'ai one shot. Hein? Coup de canon. Enfin non, j'ai one shot tout son état-major, la vache. Ah oui, y'a pas un survivant. On peut passer au boulet. En même temps, 12 qui se font tirer dessus par 10 canons. Je vois qu'il en reste pas grand chose assez vite. Putain, les boulets, ça va être magnifique dans le tas. Ouais. C'est une belle victoire. Bah vas-y, change tes pronostics. Retourne ta veste. Carnage de mes boulets, regarde. T'as passé au boulet? Ah ouais, je viens de voir 10 grenadiers de Palvos qui sont envolés, c'est énorme. J'ai hâte de voir les stats de nos games. Ouais. Regarde mes canons. Oh là là. Oh putain, je vais te dire, mes grenadiers de la garde, ils tirent. Hein. Ah oui. On peut taper de cadavre qu'il y a devant. Ah ouais, j'étais ta moyenne garde, ils ont fait hyper cher. Sans handicap. Ouais. Ah t'es au... Ah non, t'es au grand défenseur de haut sur la droite. Il voulait Paris en dessert. Offrons-le, Horde. Bah non, on va pas la rentrer. Ah non, on va aller le chercher. Tiens, regarde les grenadiers de Palvos qui vont se faire défoncer sur le côté. Chef, les canons ont arrêté de tirer. Ah. Oute. bah oui, ils essaient de reformer mais ils arriveront pas à temps. Et là il y a les Hollandais qui vont venir flanquer les derniers rues. J'ai vu. Bonjour Salopio. Mais tu prendras ma ferme. T'es vite tiré parce que je charge. Donc vite aux hommes de cesser le feu. Et occupe-toi donc des Prussiens qui arrivent en masse dans ton dos. C'est ce que je fais. Regarde. T'as quand même eu un petit cri de frayeur hein, quand on a vu les armées ennemies spawner. Du genre. Arrêtez. Ah, promotion de user joined your pour channel. Moi je dis quand même, Steven, tu les moyens, hein. La balance était pas très. C'est pas très équilibré du côté en face. C'est ça, ils auraient pu mettre une meilleure balance. Bon, à part ça, c'était sympa. Je vais venir t'aider sur le truc prussien, qu'on n'a pas encore fini, mine de rien. Parce que je sais pas si tu viens de voir toute l'armée qui vient de spawner dans la forêt. Ah ouais, ouais, les prussiens. Performer mes lignes un peu plus en avant, parce que de toute façon. Kutuzov, jamais vous remerez vivant. Ah mais on vous veut pas vivant. Hein. User disconnected from your channel. Ah non, mais on veut pas. Hein. Votre gueule, mais oui. Par contre, faudra que tu décales ton premier régiment de chasseurs que je vais mettre sur ta droite. Je le mets où? Ah, plus à gauche. Je le resserre juste. Resserrez-le, vive lui. Regardez, la vieille garde du général Mickey. Coucou. La garde du général Eric. Vive. Je suis pas encore mort, hein. Je vais ramener mon général pour l'assaut final. Ah, les gardes fusiliers prussiens, ils ont de la gueule quand même. Font mal de tir. Ah, ils sont super. Ces gros bâtards. Là, franchement, j'aimerais bien qu'ils nous mettent en difficulté. Parce qu'on a beau être en expert quand même, hein. Ouais, mais experts, ils sont tous aussi cons qu'en normal. C'est des bots. En effet.
des fossoyeurs. Ah mais oui, c'est fossoyeurs les chasseurs de la vieille garde. Ouais. Je les aime bien aussi ceux-là, ils ont une autre forme de classe. Bah, j'ai ça, on les a fait les uniformes. Je sais, ouais, j'ai je me tâte à les remplacer, ce que ceux-là. Bah non, moi je laisse les grenadiers, c'est le deuxième régiment de grenadiers. Bah alors, vu qu'ils sont de la moyenne garde avant Waterloo. Oh. On va leur mettre des chapeaux. Non, Eva. Bah qu'à dire que chaque bataille du 4ème corps est un Waterloo. Tu te fais genre un peu flanqué quand même. Mais non, que pense. Un peu beaucoup. Eric. Non, elle a dit tiens. Tu te fais accrocher au cac. Bah oui, on est au cac. Ok. Don't worry yourself. Don't worry. Bon, il vient... Ah, je suis là. Don't worry, do 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 about a thing, do 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 do. Cause every little thing gonna be alright, do 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 do. Ça manque de Hussard tout ça quand même hein. Je veux pas dire. Faudra faire qu'on fasse le truc tu sais ou avec bah uniquement avec de la cavalerie. Ça va pas être drôle parce qu'en même temps. Non c'est dire. Ils savent pas faire de carré. Putain, cette exécution dans la forêt pris en double feu. Ah ouais. Ah, bon. Mettons-nous à la place d'un soldat. Chef, arrêtez, arrêtez, chef. Le pâté quoi. Le pâté. Le pâté pas où pâté. Ils essaient d'aller m'attaquer au cac mais je leur envoie une salve à bout portant regarde. C'est pas beau tout ça. Je vais avancer mais. C'est pas comme si qu'ils avaient perdu sans. Oh putain ils vont me charger. Ça y est. La garde est au cac. Ah non, la garde tire, autant pour moi. Mais ils se reculent pour qu'il y ait. Faudrait pas qu'on leur tire dessus quand même. Oh bah non. Allez feu. Tu mets le général Eric à côté du général Mickey. Bon j'ai un Mickey. Oui c'est beau, oh c'est beau. Avec le tir de chat. Non. Ah Mickaël aura déjà aligné parfaitement mon général à côté du tien. Épique. Bonjour. Bonjour monsieur Eric. La victoire. Mais c'est pas le tout, j'ai une victoire à gagner. Ouais si. Croyez-vous. Oh putain. Où mes canons ils vont ouvrir le feu sur les Schwarzjäger machin Freikorps. Ils sont parfaitement placés pour se prendre des boulets. Et par contre ouais tu te fais flanquer ta gueule hein. Ton chasseur de la garde. Tes couilles. Et feu. Prussiens qui tombent par dizaines, c'est assez marrant. Et là ils se rendent compte qu'ils sont encerclés les Prussiens. Qu'est-ce qu'on fait? Arrêtez, faites demi-tour. Je sais pas, mettez-vous en position défensive. Sauvez-vous, sauvez-vous.
comme dans Company of Heroes 2, des promotions pour tout le monde. Bah là, à mon avis, toutes les unités qui ont survécu à cette putain de bataille... Oh putain! J'ai les Fry Corps dans mon dos. What? J'ai plus de balles, chargeur! Mais je te l'avais dit ça en plus, je te l'avais dit. Tu m'écoutes jamais, Michael. Non mais attends, je retire au canon, regarde, j'ai déjà fait 30 morts! Ne charge pas, Michael, bordel! User disconnected from your channel. Arrête de charger, bordel de cul! Ah. J'ai fait un mes canons, sous. Oh, j'étais... Ah, t'as envoyé un Fry Corps devant mes lignes! Ah! Charge! Oh oui! Oh, elle est belle cette charge! J'étais en train de les pouner au canon. C'était vraiment violent. Putain, la deuxième. Moyen... Oh putain, genre, moi, une garde qui va en retraite quoi. Nul, Stéphane, nul! Stéphane, putain. Dégoûte. T'es sérieux, tes hommes, ils ont plus de balles. Tu te fais flanquer par. Ta moyenne garde se fait flanquer par. La lande verte. La lande verte? Quoi? Qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est une lande. Bonne question. Charger, on va pas s'emmerder. Faut qu'il reforme la moyenne garde. Oh putain, y'a Blucher, c'est l'occasion. Un cookie pour celui qui le one shot. T'as Blucher qui vient de se rendre compte de sa connerie. Arrêtez, arrêtez. Oui, allez. Oui, et de 1. Et de 2. 3. Il est où, bordel? Allez, je lui fais une exécution. Je vois pas, bordel de cul. Un noir dans son état-major. Il est raciste. Allez. Ah oui, un noir en effet. Mais non, je crois que c'est plus un mec. Ah, allez quoi. Mec, Blucher, il est noir. Bon. Ah, regarde-le. Des swags. Un Blucher noir, genre, cool mon fouet. Bon, la moyenne garde a reformé. Ah bah, je pouvais faire la confiance à Stéphane pour motiver ses hommes. Je vais le sniper cet enfoiré de Blucher avec mes canons. Comme j'ai snappé Wellington. C'est assez épique quand même, comme coup de canon, chrono, il doit être fier. Ouais. Ah, on aura une batterie comme ça, mon gars, ça serait stylé. Ça aura une autre gueule, l'LB, je pense. Ouais, la victoire dans la forêt est incontestable. Ouais, incontestée. Malgré que la moyenne garde n'a plus que, la moyenne garde hollandaise n'a plus que 63 sur 246. Elle a pris de la victoire. Bon, arrête de tirer, je charge les fusiliers dans la main, forêt. Allez, chargez, pour ça. Victoire, enchantant. J'ouvre le barrière. Pourquoi mes amis sont Veritai Red? Veritai Red, bitch. Oui. Chargez. I'm very tired. Hey, tu es les cette soufousse à la con là. Ça avait chargé. Tu te fais flanquer. Ah bah compte pas sur moi pour venir. Tu sais quoi, c'est des... First Nation grenades. Moi je suis un vrai allié, j'avance dans la forêt. Oh, d'accord. Bien, au moins ça fait réaliste, j'ai perdu pas mal d'hommes. Ah bah ils ont tous reformé en plus. Bon ça va. J'ai perdu beaucoup d'hommes. On a tous les deux perdu beaucoup d'âme. Bah c'est normal. Là je vois jamais comment on aurait pu s'en sortir autrement. Bah je vois pas comment on aurait pu s'en sortir autrement surtout. C'est exactement ce que je viens de dire. D'accord. Sans déconner. J'avais pas entendu. C'est mot pour mot ce que je viens de dire. Ouais, sniper beaucoup tout ça, ça m'énerve. Moi j'ai envie de faire une charge du générique. Ouais mais si je fais ça moi je vais mourir. Oui comme à chaque fois. Non, ouais, attends, je suis arrivé, Chamber, bim, je l'ai tué, hein, donc. C'est vrai.
ça ne marche pas. Une de nos unités est à court de munitions, monsieur. On a plus de balles chargées. What? Ah ouais, dans la forêt, sur ta droite. J'ai plus de balles, donc je charge. Le sur place peut-être, quoi. Oh, ils sont fatigués. Par contre, t'as le général. On fait une charge double générale. Regarde mon général qui est embourbé, il est censé courir là dans la forêt. C'est bon, il sort de la forêt. Sans déconner, je crois qu'il y a un système d'embourbement dans la forêt. Je crois. Viens, on charge Kutuzov. Ouais, t'es où, Mickey? C'est là que Kutuzov nous charge en plus. Lol. Arrive, tiens bon, Eric. Tiens, je gère. Ah la charge. Va te faire mal, chat. Une empereur. Oh, des piques. Attention. Non. Grouchy est tombé. Vous dans Grouchy. Je. T'es Grouchy, je te l'ai dit. Non, je suis pas Grouchy, je t'emmerde. Mais putain, moi, je suis coincé dans la forêt à cause d'une ligne, à cause d'une de tes lignes. C'est vrai qu'il m'a. Mais dégage. Casse-toi. C'est vrai qu'il m'a une branlée, Kutuzov. Hein, non, mais dégage, que j'aille buter Kutuzov, vite. Il me restait un aide de camp qui s'est fait abattre par ma garde. Dégage. Dégage ta ligne, je peux pas passer. Mais prends un autre chemin. Bougez ta ligne, quoi, sérieusement. Quand t'as eu la bouge, en fait. Bon, vas-y, passe. Oh non, mais sérieux, la charge la plus honte du monde. En plus, non, mais je te laisse embourber là. Bonjour Grouchy, vive lui. Mais je suis pas Grouchy, moi. Si, t'es Grouchy, moi je suis le général. Tiens, mec. What? Cesse le feu, je vais massacrer son aide de camp. Cesse le feu. Non. Et je vais me faire buter. Oh, demi-tour, faites demi-tour, faites demi-tour. Aïe, 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 tire pas sur mes hommes, connard. Si j'allais tuer le, abattez-le. Comment on fait pour... Oh. Ah bah je t'ai tué, t'as suivi. Oh putain. 6000 ennemis. Non mais pourquoi pas. Pourquoi pas. J'ai perdu presque 50% de mon armée, j'ai buté le triple, le sextuple, c'était magnifique. 50% de ton armée, t'as perdu plus, regarde. Hein? T'as perdu plus de 50% de ton armée. Oui, un peu plus. Oh, un tout petit peu, allez, 60%, allez, je t'arrondis. Oh putain de merde. 6500, attends, je regarde les stats. Les premiers chasseurs ont abattu 800 personnes. What? Mon premier régiment de la Vegarde en a abattu 1000. Allez, deuxième choc. Swag. Toutes mes unités ont au moins abattu 500. La grande batterie de l'artillerie a abattu 8058. Et l'artillerie à pied de la vieille garde en a abattu 307. Attends, quoi? Mec, 800. Tu... Oui, 800. Oui, 858, ouais. Pas 8000, pardon. 58. On va avoir tué. 858 et 307 pour l'artillerie de la vieille garde, c'est pas mal quand même. Ouais, moi c'est 702 et 123 pour mon artillerie. Presque... Alors toutes mes unités, à l'exception de l'arti et le deuxième régiment de grenadiers hollandais, ils sont tous passés deuxième chevron. Mais ça se voit dans les pertes que j'ai pris, il y avait vachement moins de monde chez moi. Je rage. Ah, c'est swag. Ah, belle bataille, très belle bataille. Ah, GG en tout cas. C'est les Prussiens qui ont fait le plus de monde, hein, comme à chaque fois. Les Russes ils sont chiés, les Anglais ils sont démerdés aussi. Non, mais sérieusement, enfin, si tu te rends compte, ce qu'ils nous ont mis en face, ils étaient. Presque 15 000. Ils étaient 15 000. Ouais, 15 000, ouais. 15 000 pour 4 800, 700. Presque 800. Alors c'est ça, ouais. Oh putain, c'est énorme. Ouais, c'était du 3 contre 1, comme dans la campagne de France. Ouais. Oh, c'est chaud. C'était joli, bravo. T'as tué 6000 putain d'ennemis quand même. Je dois t'applaudir à ce niveau-là. Je t'en prie, tu peux prendre un screen. Toujours.